FADA, c'est une occasion unique pour les étudiants de socialiser, de tisser des liens d'amitié qui vont durer, qui vont dépasser le temps. Donc nous les invitons vraiment à avoir beaucoup d'humilité parce qu'on ne peut pas transporter Ouagadougou à FADA. C'est pour leur dire simplement qu'on n'aura pas le confort qu'on a à Ouaga. C'est expressément fait parce que nous voulons qu'un étudiant burkinabé, un étudiant de l'IAM puisse s'adapter à tous les milieux. Moi, c'est Billy Hassan Ouattara, étudiant en SEC, deuxième année. Aujourd'hui, nous participons encore une fois de plus à l'immersion. Cette année, c'est 2017-2018. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin, puisque j'ai participé l'année passée et c'est une belle expérience que je vais acquérir encore, puisque l'école nous permet, à travers cette activité, de nous réunir autour de certaines valeurs que sont l'amitié, le partage et de se sociabiliser afin qu'on puisse se connaître avec les autres. C'est vraiment une belle initiative et c'est beaucoup à encourager. Je vous remercie. À marcher et nous allons arriver. Ça peut aller au lieu de perdre le temps ici. Voilà. Voilà, ça vaut pas 4 km. Non, je m'amuse, ça vaut pas 4 km. C'est 1 km seulement. Voilà, c'est 1 km. Ça peut aller. C'est fatigant, même asthmatique, on ne laisse pas. C'est pas bien. Moi-même, j'ai mal au ventre. Hein. Je marche encore 1 km. C'est bon. Pas bon. Oui. Voilà, nous laissons. On allait aller nous déposer devant là. Au lieu de marcher comme ça, allez là, on a soif. On a soif. Il y a un ballon pour boire. Amour. Elle est là. Hein? Elle n'est pas venue. Et Deo gracias, Axel. On s'est réveillé à 2h du matin, d'abord. Ensuite, les militaires sont venus nous réveiller à 4h du matin. On a fait le sport. C'était pénible, tout ça. Mais bon, ça va, quoi. On a eu du café bien chaud, là, en train de se remonter pour entamer la suite. Dans l'ensemble, je peux dire que ça va. Ça va, on ne se plaint pas. On va voir la suite, on va voir ce que ça va donner. C'est bien vrai qu'on est là. On vit en famille et tout. Mais il y a des choses, il y a le minimum. Par exemple, on est là comme ça, on est en train de souffrir les matins comme ça. Ah, moi, je me lève tôt là, je ne peux pas. On nous fatigue comme ça, debout là. Moi, ma tête là me fait mal. Je souhaiterais dire à certains aussi qui disent toujours qu'on ne me fait pas ça à la maison, je souhaiterais leur dire que l'objectif de l'immersion, c'est de vivre des situations qu'on ne voit pas généralement à la maison. Donc, on ne peut pas reproduire les situations de la maison. Mes parents ne me font pas ça, mes parents ne me font pas ci. Mais à l'immersion, on doit vivre ces expériences et les accepter. Parce que dans la vie,
on n'a pas toujours les parents à côté pour nous aider. Nous avons pris la route hier, c'était vraiment une longue route. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, ça va. On peut dire que ça va. Toi, tu parles, il est obligé de te mettre au repos. À l'attention de certains Yamois, j'aimerais dire que le fait de faire l'immersion dans un camp militaire a un objectif bien précis, de mettre la discipline des militaires au sein de l'Institut. Parce que sans discipline aujourd'hui, on ne peut pas réussir. C'est bien, j'ai bien dit, c'est prêt à exécuter ou à recevoir des ordres provenant du chef. Prêt à recevoir et prêt à exécuter. La position du repos là comme ça. C'est pas parce qu'on a donné repos, il t'assoit bien, tiens là, penché. Comme un cheval qui a couru n'est pas rentré. Ta femme là, tu viens seulement, tu commences à commander. Non. Ici là, tout est réglementaire. Le garde à vous. Quand je vais lui commander comme ça, cela veut dire que j'ai quelque chose à lui dire. Je ne devrais pas, je ne dois pas venir, garde à vous. Et puis, je suis arrêté, ce n'est pas ce que je vais lui dire. Non, le garde à vous, quand tu mets quelque chose, quelqu'un au garde à vous, c'est pour lui donner un ordre. C'est-à-dire qu'il est arrêté comme ça, il est prêt à exécuter un ordre. Relâchez. Et tout de suite avant le coup, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi? Non, la matière là c'est OS, sans serré. On a vu quoi? Comme premier chapitre, on a vu quoi? Le garde à vous. Garde à vous! Garde à vous! Bien, ça commence à lâcher. On se lève. J'étais ici. Il y a un colonel qui parlait de Biaïm. Voilà. Le jour où je vais au Tchad aussi, pareil. Le jour où vous revenez ici aussi, pareil. Nous sommes unis. Nous sommes seuls. Nous sommes sur notre continent. Le continent africain. Ne vous gênez pas pour ça. Mettez-vous à l'aise. Dites-nous ce qu'il y a. Proposez-nous des idées. Dites-nous ce que vous pensez pour qu'on puisse améliorer pour les prochains séjours. Bravo à tout le monde. Bonne journée. Silence. Non. Marquez le pas. Marche. Merci beaucoup pour toutes les formations que vous nous faites parce que au retour, on voit l'impact sur la vie de l'école. Je souhaite que ça puisse être capitalisé par les étudiants et on est en train de réfléchir pour donner même un certificat à tous ceux qui participent à l'immersion parce que demain, je crois que ça sera valorisant pour vous dans la vie professionnelle. Merci en tout cas. Grâce à la discipline que ces grands pays-là se développent. Donc, respectons les consignes, parce qu'en entreprise aujourd'hui, on n'a pas besoin des agents qui contournent les règles et les règlements dans les entreprises. Donc, et c'est à l'école qu'on commence déjà à jeter les jalons de la discipline. Donc, je souhaite vivement que tout le monde s'inscrive dans cette démarche. Mes impressions sur l'immersion, je pense que l'immersion c'est une très très belle initiative et voilà, de la part du PCA parce que bon, ça nous met dans des conditions dans lesquelles on n'est pas d'habitude. Donc ça déjà c'est une chose qui me plaît et ça te permet, comme on a dit, on cherche un certificat pour donner aux gens, pour qu'ils puissent justifier. Parce que l'immersion vraiment c'est une grande activité, c'est une grande expérience. Mais voilà, il y a des trucs déplaisants comme il y a des trucs plaisants, voilà, on peut pas, tout ne peut pas être à 100%. Moi personnellement, on m'a mis en prison, j'ai beaucoup regretté, j'ai sciencé là-bas et j'ai compris que bon, c'est pas assez, souvent il suffit juste de suivre les ordres quoi, et puis ça marche, voilà. Mais sincèrement, l'immersion c'est une très belle initiative. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à vivre également avec peu de choses. Et sans téléphone principalement, c'est l'une des choses les plus difficiles pour moi. J'arrive pas à me détacher de mon téléphone 5 minutes et ici j'ai pu faire déjà 6 jours sans mon téléphone. Donc
C'est vraiment une aventure excellente pour moi. La famille nous manque tout, mais ça nous permet également de tisser des liens d'amitié et de faire plus d'amples connaissances avec nous-mêmes, les étudiants de IAM. Parce qu'étant là-bas, on n'a pas l'occasion de le faire. Et également de comprendre vraiment le travail des militaires ici. Quand nous sommes logés ici dans les camps, ça nous permet de savoir vraiment les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils se lèvent très tôt le matin, donc on est obligé également de faire comme eux. Et vraiment, si ça dépendait de moi, c'est à refaire, je referais. Bon, même si mon téléphone me manque, mais en tout cas, moi je kiffe ça. J'ai également hâte de rentrer et d'aller raconter ça. Je voulais demander aux étudiants de nous excuser pour toutes les imperfections parce que c'est pas facile de nourrir, de loger et de déplacer 650 étudiants. Donc vous avez vu que l'administration était vraiment mobilisée. Vous avez vu Nina qui est la caissière, qui était à la cuisine. Donc elle est de très bonne volonté pour être au four et au moulin, comme on le dit. Pendant 8 jours, elle était toujours à la cuisine pour nous faire à manger. Je suis venue à l'immersion pour faire la cuisine pour les étudiants, pour, je sais pas, pour 650 personnes en gros. Durant le séjour s'est bien passé, sauf que souvent, c'est pas simple avec les étudiants. C'est vraiment pas facile. Moi, je suis Anasira Tousek, étudiante en 3e année banque assurance à l'Institut africain de management. Je suis à la cuisine en tant que l'assistante de Madame Nina. On rencontre du tout ici. Il y a des gens même qui veulent nous frapper à cause de la nourriture. C'est comme ça, mais on va faire comment? Le nombre est élevé. Il faut qu'on fasse un peu doucement et puis essayer de gérer tout le monde pour que tout le monde soit satisfait et tout le monde ait à manger aussi. Sinon, vraiment, ce n'est pas facile. Ça mais fait. On gère. Nous sommes des experts, nous. Un message de remerciement aux parents d'étudiants parce que c'est pas évident quand même de se séparer donc de son fils ou bien de sa fille pendant une semaine. Surtout des enfants qui n'ont jamais l'habitude d'être loin de leurs parents, des enfants qui n'ont jamais connu ce que c'est que la souffrance, donc des enfants qui ne sont jamais à l'école de la vie. Je pense que les parents méritent quand même une motion de félicitations pour avoir laisser à l'administration de l'IAM le choix, mais aussi l'opportunité d'éloigner ces enfants-là de leurs parents pendant au moins 7 jours. En tout cas, merci d'avoir fait confiance à la direction générale de l'IAM. Merci d'avoir fait confiance à l'IAM. Et nous nous évertuerons à mériter cette confiance en continuant à aider vos enfants à comprendre ce que c'est la vie en société. Power yo, Timothy, power yo, Epo, Boti, power yo, Philip.
sommes à la veille de la fin de l'immersion FADA 2017. Je voudrais surtout remercier d'avoir su relever le défi, parce que c'est vraiment un défi à relever que de transporter, loger, nourrir et gérer 650 étudiants à la fois. C'est un défi important qui est relevé chaque année. Ça fait la 10e fois cette année que nous relevons ce défi. C'est quand même difficile à faire. Merci, bravo aux étudiants, aux Yamois. À la rentrée, vous allez remarquer que l'immersion aura un impact positif sur la vie de l'école, parce que on les apprend à se socialiser, à relever les défis, à s'entraider, à se donner la main et surtout développer en eux le leadership et surtout accepter aussi l'humilité, parce que Ouagadougou ne peut pas être transporté à FADA et on est loin de chez soi, donc on n'est pas dans les conditions idéales, les conditions de Ouagadougou. Mais c'est des futurs managers. Un manager doit connaître le pays profond et surtout accepter de vivre dans cet environnement qui est quand même plus difficile que l'environnement quotidien. C'est tout à fait à leur honneur. Merci en tout cas pour leur implication.